Madame twagira Yezu bwa mbere je ndamuzi yari umusore nawe nyine yari akiri inkumi akiri muri Orchestre National nkaba ndamuzi rero mu mateleviziyo nari nkiri umwana w'umuyabaga ariko Imana yaraduhuje turahurira muri Chorale Saint Cecile aho ku Musaga hanyuma turakorana ubutumwa depuis l'école primaire à la paroisse Saint-Augustin de Brienzy. Et par après, j'ai continué au lycée de Rossiga. C'est là où j'ai vu que j'avais des talents parce que je contribuais beaucoup à l'animation des élèves, à la participation dans les théâtres, des danses. Et pendant les vacances, c'est là où j'ai eu l'occasion d'être invitée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, qui avait lancé un communiqué pour inviter les élèves en vacances pour être encadrés dans le domaine culturel pour promouvoir la culture burundaise. Alors là, j'ai appris le folklore. C'était comme une occupation en vacances. Mais petit à petit, j'ai été intéressée, vu que nous avions eu des occasions de sortie à l'étranger, en Libye, en 1978. Ça m'a beaucoup intéressée et j'ai voulu abandonner l'école et poursuivre cette carrière à la musique, et la danse et la culture nationale. Ça a été un combat vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes voisins, vis-à-vis de ma famille, parce que les gens se disaient, voilà, sa vie est foutue. Il n'y a pas d'avenir avec la musique, il n'y a pas d'avenir avec ces danses-là. Qu'est-ce qu'elle va devenir par après? Et aussi, l'entourage aussi, la coutume, les mœurs burundaises, tout le monde disait que une fille qui va chanter avec ses garçons, elle va devenir leur femme. Une fille qui va passer une nuit à animer une soirée, peut-être elle doit se droguer, elle doit prendre l'alcool, elle doit faire quoi, n'importe comment, ou bien elle peut partir avec n'importe qui. Ça a été une mauvaise réputation. Mais comme j'aimais cette musique-là, comme je voyais que c'était ma passion, j'ai surmonté tout ça. Personnellement, puisque j'étais en équipe, il n'y avait pas de problème. Mais je devais à chaque moment expliquer. Mes parents n'ont pas résisté. Je leur ai dit, ayez confiance en moi. Nous sommes encadrés. C'est pour un avenir, c'est pour nous former, c'est un travail comme tant d'autres. Et puis, ils m'ont laissé continuer. Mais vis-à-vis de mes amis ou bien des copains, il y a quelques-uns
qui me disait qu'il n'y a plus de confiance. Comme des débutantes, mais comme nous essayons d'interpréter la musique burundaise, petit à petit les gens ont aimé cette musique-là. Et ils nous voyaient comme déjà quelques des personnes qui ont valorisé la musique burundaise, disons. Mais pour dire que déjà ce public, lorsque je me présentais, c'est moi qui ai chanté. C'est moi qui chantais Numayanji, c'était encore plus de succès. Pour dire que cette mauvaise réputation n'a pas duré longtemps, mais quand même, il a abîmé quelque chose. Mais par après, je me suis dit comment je vais terminer ma vie dans cette musique. Hein? Parce que la musique, ça dépend, ça va avec l'âge. Quand tu es très jeune, tu es très passionné, tu es très motivé. Mais lorsque j'avais eu mon premier enfant, je me suis dit, il faut terminer avec ça et chercher quelque chose de plus confortable. Là où le travail qui est un peu rassurant, et c'est là où je me suis adressée à mon directeur général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Je lui ai dit que avec la musique, j'aimerais arrêter. Akazi kiwe ni agataye yabandanije akazi kiwe kuba artiste iyo hageze ibintu by'iminsi mikuru ya chorale aradufasha mu bintu by'intambo z'abana bajya batambira amana arabafasha mu bintu by'akaranga ku Burundi. Il y a des gens qui sont venus encadrer les artistes et les comédiens dramatiques. Nous avons fait une formation sur le théâtre interactif. Bega mwana wa mama mwagwariye rimwe hanyuma ni watabaza babaye sigaho nchuti yanje ndahanzwe injyane z'amatongo za minsi yose indatse umwanya wose ubukene nabwo kabaye ndanze uwo Rosemary twari tuzi nari rwose tugatangwa na ishyirahamwe ryitwa tubyage ishyirahamwe kimwe byese turahurira mu cese cyitwa umubanye w'umuryango Ego hinge nigireyo gatoyi nari kota kazuba mu kibuga uburanyumva ndakumva bandanye ndakumva hanyuma ego mwana umerewe gute ndahumirewe ngaha muri aka gashosha nubugesera nubutinde ntora ibyo bikenya baratwanga c'est le théâtre qui me fait vivre je dirais qui me fait vivre jusqu'à aujourd'hui parce que ça fait plus de 15 ans que je fais ce théâtre-là. C'est le théâtre d'improvisation, le théâtre qui m'entraîne à être plus créative. Et j'étais parmi les acteurs principaux. Je jouais le rôle de Mukama Moi, une femme bavarde que le public aimait beaucoup. Ça m'a donné même, je dirais quoi, la popularité. Quand je vais à l'intérieur du pays, je n'ai pas de problème à me présenter devant le public.
Si je parle même une phrase, tout le monde dit ah, c'est mon cas, mon moi. Je gagne la confiance du public. Si j'ai un message à leur transmettre, ça m'est très facile. En tout cas, je me sens bien. Je vois que je peux continuer comme ça. Mes enfants aussi ont quelque chose de moi. Parce que mon fils aîné, il a 31 ans, c'est un top modèle. C'est quelque chose d'arrivé en lui. Le second, il a 18 ans, il joue de la batterie. Parce que moi aussi, j'ai joué de la batterie à mon jeune âge. J'ai accompagné les orchestres, je jouais les drums, je jouais la batterie. Et lui aussi, il est amateur, il joue aussi le théâtre. J'en suis fière.